Maître Nicolas Tchangaï, bonjour. Bonjour. Le BRDC a posé des préalables avant sa participation aux élections locales du juillet prochain. Vous dites que c'est une manière pour vous d'éviter la reddition des mascarades. Comment? C'est simple, je pense que pour tout observateur averti de la scène politique nationale, les élections de 2020 étaient un véritable hold-up électoral. Et les résultats qui ont été proclamés ne reflétaient pas les suffrages du peuple centrafricain, tout simplement parce que l'autorité nationale des élections a été caporalisée par le pouvoir. On a refusé de remettre les feuilles de résultats aux représentants des candidats dans les bureaux de vote pour masquer ce hold-up électoral, de sorte que ceux qui ont été élus n'ont pas été ceux qui ont été choisis par le peuple centrafricain. C'est pour ça que pour nous, tant qu'il n'y a pas une réforme de l'autorité nationale des élections et de la Cour constitutionnelle, il est hors de question que nous puissions aller dans une parodie électorale pour accompagner quelqu'un qui ne se jouira d'aucune légitimité populaire. Mais vous revenez sur la restructuration de l'autorité nationale des élections, ANE, afin de prétendre à l'impartialité des scrutins. Comment justifiez-vous votre argument? Je pense que toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons tiré les leçons de l'expérience du passé. C'était une erreur d'avoir pensé que les commissaires électoraux devraient être des personnalités indépendantes. C'était ça l'erreur. On s'est rendu compte qu'en fait, ces commissaires électoraux sont à la solde du MCU et du pouvoir en place. Donc il faut qu'on revienne à la structure qui existait avant, c'est-à-dire que nous devons revenir à la situation de la commission électorale mixte indépendante, où les partis politiques ont leurs représentants au sein de la structure nationale et dans les démembrements locaux, pour permettre de contrôler l'effectivité des opérations électorales. Oui, mais vous dites que le président Touadéra doit renoncer à son idée du troisième mandat d'abord, avant toute participation aux élections locales à venir. Que craignez-vous concrètement à ce niveau? Mais vous pensez que s'il modifie la Constitution et qu'il se présente aux élections, vous pensez qu'il va le faire pour permettre une alternance politique? Je ne le pense pas. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore dit ouvertement qu'il serait candidat pour son troisième mandat. Alors dans ces conditions, pourquoi modifier la Constitution? Pourquoi révoquer les juges constitutionnels? Il le fait à dessein parce qu'il y a un objectif politique, parce que c'est la modification de la Constitution qui doit déterminer la possibilité d'aller à un troisième mandat, donc c'est clair. Oui, mais la refonte de l'autorité nationale des élections que vous avez fait allusion, alors que c'est bien elle, hein, qui a organisé les élections de certains députés, actuels membres du BRDC, comme M. Ziguélé, comme M. Dologuélé et bien d'autres, comment remettez-vous en cause l'impartialité de cet organe électoral? Je vais vous donner un exemple simple. Savez-vous que lors des élections de 2020, j'ai eu zéro voix dans mon propre bureau de vote au centre social de Fou, où moi-même et toute ma famille nous avions voté? Monsieur Nguandika s'en est vanté dans une audio où il a dit que Tiangaï a eu zéro, c'est-à-dire que lors de ce vote-là, dans le propre bureau de vote où j'ai voté, en fait, selon eux, je n'ai pas voté pour moi. Comment on peut expliquer ça si ce n'est pas une manœuvre du pouvoir en place? C'est un exemple patent, vérifiable, puisque Mwandika a fait circuler une vidéo dans laquelle il a bien confirmé qu'il y a eu hold-up électoral. Ça, c'est l'un des exemples, mais c'est pas ce que l'autorité nationale des élections a pu faire sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'on appelle le saupoudrage politique. Il fallait faire du saupoudrage politique pour donner l'impression d'un vernis démocratique. Mais cette situation, nous voulons un changement structurel. Il est hors de question pour nous de partir. De toute façon, si le MCU veut aller aux élections pour rafler tous les sièges, ils n'ont qu'à le faire pour qu'ils veulent qu'on les accompagne. Vous savez aussi que ce n'est pas seulement le gouvernement seul qui finance les élections à venir, il y a des partenaires. En le faisant, vous n'êtes pas en train de mettre en cause ou bien en difficulté les partenaires qui soutiennent la République centrafricaine dans ces élections locales pour la première fois dans l'histoire du pays à venir. Nous n'allons pas aux élections pour faire plaisir aux partenaires et encore moins à Touadéra. Nous allons aux élections pour que la volonté du peuple centrafricain s'exprime dans les urnes. Si ce n'est pas le cas, nous n'y allons pas. Monsieur Tchangaï, vous exigez du gouvernement le rétablissement de ce que vous qualifiez des membres arbitrairement déchus de la Cour constitutionnelle, mais Madame Danet Darlan a bien dit hein, qu'elle ne reviendra plus à la tête de cette institution. Pourquoi insistez-vous sur cette affaire déjà close, monsieur? Et c'est vous qui dites que l'affaire est close. Il y a eu un coup d'État constitutionnel.
Il faut que le président Touadéra tire les conséquences de son coup d'État constitutionnel. Il n'a pas le droit de révoquer des juges qui bénéficient de l'inamovibilité et dont le mandat devrait courir jusqu'en 2024. Est-ce que l'opposition démocratique, le BRDC en l'occurrence, est en train de tout boycotter avant la tenue de ces scrutins à venir? C'est notre droit. Si nous estimons que les conditions de transparence et de crédibilité ne sont pas réunies, nous pensons que c'est notre devoir de tirer la sonnette d'alarme parce que nous ne pouvons pas accompagner des gens qui n'ont aucun respect pour la loi et pour la démocratie. Monsieur, quelques mots sur le sujet d'actualité. Nous avons suivi dans les médias ces derniers temps, l'administration Biden, l'administration américaine, a remis un mémorandum au président de la République pour lui demander de se séparer des paramilitaires dans le pays. Quel commentaire faites-vous de cela? J'ai lu cela comme vous dans les médias, mais je n'ai pas lu le mémorandum en question. Bon, si c'est établi, je tire deux conclusions. La première conclusion, c'est que la situation de la République centrafricaine est devenue une préoccupation internationale et que nous devons tenir compte de cette situation. La deuxième conclusion concerne l'intérêt du peuple centrafricain dans cette démarche. Est-ce que ce mémorandum a-t-il pris en compte aussi les intérêts du peuple centrafricain? Est-ce que c'est dans cette forme-là que ça doit se faire? Pourquoi ne pas associer aussi les organisations régionales et sous-régionales auxquelles appartient la République centrafricaine, comme l'Union africaine, la CEAC, la CIRGL, et tous les chefs d'État de l'Afrique centrale qui ont été au chevet de la RCA pendant plusieurs années, dans les crises que nous avons traversées? Voilà autant d'interrogations qui me viennent à l'esprit. Est-ce que cette sommation ne consiste pas à violer la souveraineté d'un État comme la République centrafricaine? Si je reste un peu circonspect sur la question de souveraineté, je crois aussi que toute démarche, et je l'ai déjà dit, doit s'inscrire dans le cadre de la prise en compte des intérêts de notre peuple. Et ça doit aussi être fait de sorte que notre dignité ne soit pas bafouée. Et je considère que l'ultimatum n'a pas pris en compte certaines formes diplomatiques qui nécessiteraient que notre dignité nationale ne soit pas traînée par terre. Monsieur Tchangai, 20 militaires centrafricains sont toujours faits prisonniers par les rebelles de la CPC dans la Vakaga. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore libérés. Quel commentaire faites-vous? C'est une situation désastreuse parce qu'il n'y a pas que les 20 militaires qui sont faits prisonniers. Il y en a qui ont été tués. Et donc, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont tués. Je présente mes condoléances à leurs familles. Je souhaite prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et je pense que tout doit être mis en œuvre pour que ces prisonniers de guerre soient libérés dans les plus brefs délais. Maître Nicolas Tchangai, merci. C'est à moi de vous remercier.